Les petits amis, vous êtes allés cueillir des champignons, comme c'est mignon. C'est adorable, j'adore les champignons en plus, ça tombe très bien. Surtout un, celui-là, Toad, c'est mon préféré, depuis toujours. Depuis Mario Kart, j'ai toujours bien aimé Toad, je le prenais souvent dans Mario Kart. Et puis j'aime bien ses aventures. Souvenez-vous dans... je mélange tous les noms, mais dans Super Mario 3D World, le dernier sur Wii U, il y avait des petites épreuves à part avec Toad en vedette, qui étaient plus des casse-têtes que du jeu de plateforme pour le coup. Fallait vraiment réfléchir, tourner le décor dans tous les sens pour arriver à faire quelque chose. Et j'adorais ces niveaux-là. Et bah figurez-vous qu'aujourd'hui, ils ont sorti tous ces niveaux, ils ont mis tout ça à part. Ils ont repris ce système de jeu et ils en ont fait un jeu à part. Ça s'appelle Toad Treasure Tracker. Et donc c'est Toad la vedette cette fois, c'est pas Mario, ni Luigi, ni les autres. Je crois que c'est la première fois qu'il a droit à un jeu à son nom où il est vraiment la vedette. Et c'est super bien foutu. Je vous propose de regarder ça tout de suite avec un premier niveau qui s'est lancé sans que je regarde. voilà, donc je suis avec le Wii U Gamepad qui me permet, regardez, de tourner l'écran dans tous les sens. D'accord, pour voir un peu tout ce qui se passe tout autour. Je peux aussi le faire au stick, et je vous cache pas que c'est plutôt au stick qu'on va le faire, c'est plus simple. Mais vous allez voir que le Wii U Gamepad est utile, pour une fois, depuis le temps qu'on réclame des choses utiles avec le Wii U Gamepad. Donc, principe du jeu, trouver les étoiles de chaque niveau. Et pour ça, il va falloir se creuser la tête. Vous voyez, je fais le tour du niveau, on voit qu'il y a des trucs planqués un petit peu en dessous. Allez, c'est parti. Sachant que je ne peux pas normalement tuer les monstres, je ne peux pas leur sauter dessus, puisque je ne peux pas sauter. Donc il va falloir que je me débrouille tout seul. J'ai juste ma petite lampe de poche et mon intelligence. Et là, tout de suite, je vois qu'il y a une petite grotte. Hop, je rentre dedans. Et je vois que là, c'est bloqué. Mais on aperçoit, regardez, un petit bout de... Là, vous voyez, là, il y a un petit diamant, là. Je vais aller chercher. Donc il faut chercher des étoiles. Si vous trouvez toutes les... Enfin, l'étoile, vous avez fini le niveau. Et il y a des diamants qui sont des petits bonus qu'il faut aller chercher. Hop, regardez, j'ai fait le tour. Youpi, nous dit-il. Et regardez, là aussi, il y a quelque chose. Il y a une grosse pile de fric. Donc, je vais descendre. Donc, il s'agit à chaque fois de tourner la caméra dans le bon sens pour arriver à trouver ce qui se cache derrière. Voilà, choper un champi en plus. Donc, c'est vraiment bien et astucieux. Je trouve ça super drôle. Là, il y a cette sorte d'ascenseur. Je vais rentrer dedans et regarder pour l'activer. Hop là, j'appuie sur le Wii U Gamepad qui sert enfin à quelque chose. On peut aussi souffler dedans, vous verrez que ça sert dans certains niveaux. Voilà, là j'ai chopé un radis. Les radis, ça permet de les jeter sur les méchants. C'est la seule façon de s'en débarrasser. Encore une fois, je peux pas leur sauter sur la tête puisque je ne peux pas sauter. Par contre, je peux me laisser tomber d'une hauteur sur ces braves gens. Ah, il y en a un qui avait un diamant en plus. Parfait. Donc, le but du jeu, bah, essayer de récupérer l'étoile et si possible... Un max de diamants, voilà, et là j'ai buté. J'ai essayé de buter tous les adversaires, normalement ça devrait me rapporter un petit bonus. Alors comment est-ce qu'on grimpe là-dessus? Faire le tour par là. Il y a une petite échelle, je vais essayer de descendre. Ah, j'ai pas le droit de descendre avec mon radis, ok, très bien. Donc ça va peut-être être un peu dur de dégommer ce gars, à moins que je puisse bouger. Alors regardez, hop, je fais bouger chaque truc comme je veux. Bon, tant pis pour le radis. À moins que je puisse l'avoir d'en bas, mais non, j'y croyais pas. Voilà. Je vais descendre à l'échelle. Je vais remonter. Allez, hop là. Et normalement, en faisant ça, vous voyez que je remonte les trois petits trucs là. Regardez, en plus, il y a un passage secret en dessous. Je vais pas repérer, donc je vais aller me fourrer dedans. Et ça va me permettre de descendre tout au-dessous où il y avait le dernier diamant. Donc hop, je descends cet ascenseur. Jusqu'en bas, et regardez, j'arrive par un passage secret, ici. Hop, j'ai les trois diamants, youpi. Voilà, bon, là j'y vais tout chose parce que j'ai déjà joué, évidemment, mais tout ça nécessite pas mal de réflexion pour arriver à ses fins. C'est pas toujours facile. Là, j'ai peut-être encore des radis, je peux peut-être essayer de flinguer cet oiseau de malheur. Bien mettre la caméra pour pas le louper. Comme ça, ce sera peut-être mieux. Boum! Et voilà, je l'ai eu, très bien. Un truc pour la route, un petit champi, un bonhomme en plus, ça peut pas faire de mal. Allez, je remonte. Voilà. Voilà. Et me voilà arrivé au sommet.
avec ma première étoile, c'est comme au ski. Voilà. Bon, normalement, ils sont jaunes, évidemment, comme j'ai déjà joué, les étoiles sont translucides et les diamants aussi. Normalement, évidemment, ils sont pleins. Voilà, pour le plateau de Champirock, j'ai réussi à éliminer tous les ennemis, j'ai les 3 diamants. C'est la perfection totale. Du coup, tiens, j'ai gagné un petit niveau de bonus. Ben, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Moisson de pièces, c'est des bonus, des séquences de bonus où vous allez récupérer un maximum de pièces. Allons-y. Alors, me voilà. Parler à ces gens. Ah bah tiens, Pinawan, hop, c'est toujours sympa. Je vais aller, par exemple, dans ce petit truc-là. Ah, attention, j'ai 10 secondes, donc je récupère tout de suite une petite pioche. Et on essaie de tout dégommer pour récupérer le max de bonus. Je pense que je me suis pas trop mal démerdé. J'ai touché les deux boutons POW qui ont tout explosé à l'écran. C'est pas trop mal. Et ça fait des pièces en plus avec lesquelles je pourrais acheter d'autres niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, je feuillette le petit album pour trouver des endroits qui me plaisent. Par exemple, le palais de la double cerise. Allez, c'est parti. Donc des niveaux différents et à chaque fois on tourne toujours la caméra autour pour essayer de visualiser. Tout est une question de point de vue à chaque fois. Voilà, je démarre ici. J'ai des petits interrupteurs. Seulement, il faudrait que j'arrive à appuyer sur les deux en même temps. Tant bien, il y a des cerises. Et dans Mario, les cerises permettent de dédoubler le personnage. Donc regardez, je dirige le personnage avec un seul joystick en symétrie. Ils font chacun des trucs différents. Enfin, ils font la même, ils font tous les deux, ils répondent tous les deux à mes commandes. Donc à moi de me débrouiller pour les faire avancer dans ce labyrinthe. Je contrôle les deux à la fois. C'est quand même super bizarre comme truc. Et on voit qu'il y a deux interrupteurs, un à chaque bout. Donc lui, je vais le bloquer. Celui de droite, je vais le bloquer. Voilà, le long du labyrinthe. Et on va descendre de façon à ce que tous les deux soient sur les interrupteurs. Regardez, hop. Voilà. Creuser un petit peu la tête pour y arriver, mais on y arrive, on a ouvert l'autre côté. Donc là, je vais me mettre en vue du dessus, c'est quand même le plus simple pour réussir à sortir du labyrinthe. Voilà. Et on va se retrouver de l'autre côté. Je fais tourner la caméra, donc voilà, de manière symétrique. Hop, lui est descendu d'un étage, il va appuyer sur l'interrupteur qui ouvre la voie à son compère. Regardez, hop, je me laisse tomber sur le fantôme. Avec la petite musique qui va bien toujours. Allez, toi tu appuies, ça ouvre. Il est descendu, il a fait tout le chemin avec son radis lui. Là, je vais faire le tour pour qu'on les voit mieux. Les deux sont sur le balcon. Il y a une bête, qui s'est barrée, j'ai jeté mon radis dans le ravin. Voilà. Encore un petit interrupteur. Par mon camarade, voilà, je me laisse tomber sur le fantôme. Un interrupteur chacun. Et voilà, tout ouvert. Maintenant, ils vont pouvoir se rejoindre. Incredible, it works. On récupère un max de pièces au passage et on va aller sur le dernier interrupteur où il faut être deux. Là aussi, hein, vous voyez, si je suis tout seul, ça ne marche pas. Il faut qu'on y aille tous les deux. J'aime beaucoup ce principe. Je trouve que c'est... plus de la... Moi, ce que j'aime pas dans Mario, c'est le côté faut agir super vite, de manière super précise, avec un personnage qui glisse, qui fait chier son monde, pas à dire. Là, c'est plus de la réflexion que de l'action, et ça me plaît beaucoup plus. Je suis content de pouvoir enfin dire du bien d'un jeu sur la Wii U, parce que ces derniers temps, moi, j'étais un peu déçu. Je n'aime pas Smash Bros, je n'aime pas Bayonetta, il y a plein de trucs que j'aime pas, qui sont excellents, hein, je reconnais, mais moi, je suis pas fan. Donc, c'était un peu... décevant pour moi. Là, enfin, je trouve un jeu Nintendo qui me fait plaisir et qui utilise bien le Wii U Gamepad. Je vais voir 2-3 autres trucs après, où tout à coup, le Wii U Gamepad prend une vraie utilité. Et ça, c'est quand même cool. Alors, ça sert, bon, évidemment, c'est pas grand-chose, mais regardez, c'est une petite manivelle qui permet de tourner, hop, la bibliothèque, avec le petit bruit de quick et quick. Voilà, donc là, je peux aller choper ce diamant qui croyait qu'il allait m'échapper. Mais pas du tout, je suis bien plus malin qu'un simple diamant. Hop, on tourne encore le petit bousin d'un cran. Et là, vous voyez, je pourrais aller chercher l'étoile, mais c'est pas mon genre. Moi, j'aime bien fouiner dans un niveau. Donc regardez, là, il y a de l'argent, par exemple. On peut pas laisser passer ça. En dessous, je vois bien qu'il y a un tuyau, des trucs et des machins. Donc vous voyez, même si, bon, je pourrais monter, mais non.
On va fouiner un petit peu tous ensemble. Donc c'est pour vous montrer que vous pouvez finir les niveaux très très vite, mais vous pouvez aussi prendre le temps de les visiter en détail. Alors comment faire pour passer cet endroit où il y a ce tuyau là? Ça me travaille ça. Encore tourner ça d'un cran. Ah voilà, déjà là je peux rentrer sur le côté. Très bien. Je vais tourner la caméra. Et voilà le tuyau qui m'amène la tête en bas de l'autre côté carrément. Très bien. Déjà j'aurais pu peut-être... Pas un truc à me filer toi? Non, rien. Même pas des champignons. Rien. Ok. Descendons. Ah ben voilà, un petit diamant de plus. Parfait. Plus quelques pièces, bah ça peut pas faire de mal. Voilà. Les mecs qui roupillent, bon. Tant pis pour eux. Ouais, je vais revenir jusqu'à mon tuyau. Et maintenant, on peut y aller. On aura à peu près tout visité. Je pense que j'ai tout récupéré. Avec une musique un peu mystérieuse. Vous voyez, on ne sait plus où est le haut, où est le bas. Ça devient super bizarre. Voilà. Et puis, il y a une petite lampe. Vous avez remarqué, Mario Toad, qu'on peut allumer ou éteindre. Parce que, par exemple, ça peut permettre de faire fuir des fantômes. Ou au contraire, ça peut alerter des adversaires quand ils voient la lumière et vous voir arriver de loin. Voilà, bon, sympa ce petit niveau. On va aller en faire d'autres. J'ai eu le champignon d'or. Oh, des petits wagonnets. On en fera plus tard, des wagonnets. Qu'est-ce qu'il y a comme truc sympa? Ah, un petit boss de fin de niveau. T'entends, il y a des boss de fin de niveau. Alors, allons voir. Vous allez voir comment ça se passe. Toujours ce principe, hein. Pas beaucoup de combats, beaucoup de réflexions. Beaucoup d'astuces, j'ai envie de dire. C'est bien les jeux où il faut être astucieux, ça change. Et puis c'est beau, regardez, quand même. C'est beaucoup moqué de la Wii, en son temps. Bah, la Wii U propose quand même des graphismes un peu plus jolis. Ouh là là, allons nous cacher. Donc pareil, je tourne la caméra tout autour, ça se fait pas automatiquement. C'est à moi de la mettre en place pour y voir plus clair. Hop, 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 cours, cours, cours. Là, il y a un petit diamant, est-ce que je vais le chercher? Ouais, je vais prendre le risque. Vite, vite, allez me mettre à l'abri derrière cette petite palissade. Ah, je vais un peu énervé. Alors là, regardez, je pourrais monter direct à l'échelle, mais il y a un diamant qui est planqué sur le côté. Et moi, je ne veux rien laisser au hasard, donc je vais aller le chercher vite fait, au péril de ma vie. Mais il est comme ça, Toad, il est courageux. Essayez de pas tomber dans la lave. Ce serait dommage de porter un chapeau poulet. Ah, j'avais même un chapeau de Toad, tiens, j'aurais dû y penser. J'avais un très beau chapeau de champi. Ça aurait pu être très classe, hein, j'aurais dû le mettre. C'est dommage. Je vieillis hein, sur les costumes. Je faisais plus d'efforts avant. Ah, j'ai carrément oublié un très beau chapeau de Toad, c'est dommage. Faudrait voir dans une autre émission. Il y aura bien d'autres jeux avec Toad. Hein. Allez, là, on est presque arrivé. Dépêche de grimper à l'abri. Qu'est-ce que c'est? Petite pièce. Très bien. Presque arrivé. Voilà, ça y est, il commence à y avoir de la lave en fusion. Ça devient chaud. Oh là là, pourquoi je marche dans la lave en fusion? Parce que je suis stupide, voilà pourquoi. Donc là, vous avez remarqué que j'ai rapetissé. Si je me fais toucher encore une fois, et eh ben c'est cuit. C'est terminé pour mes petites fesses de Toad. Intérêt à me dépêcher. On peut tout en haut de ce piédestal où m'attend la dernière petite étoile. Voilà. Ça on lui fait tomber ça sur la tête. Et on n'aura plus qu'à récupérer l'étoile. Oh, fini, on dirait Terminator. La fin de Terminator, regardez ça. Magnifique. Et je lui tombe dessus. Excusez-moi votre Altesse, je chatouillais les narines un petit peu. J'ai récupéré mon étoile. Quoi le travail? Tu es fort, Toad, tu es très très fort. Tiens, je vais me mettre là, près de vous. Ou là peut-être. Attendez. Voilà, comme ça il vous regarde. Puis vous me voyez plus trop. Non, vous me voyez plus trop. Alors je vais le remettre un peu comme ça. Voilà, on se verra mieux. Très bien, maître du souffle ardent. Ben, on va changer un peu de niveau. Piranha, vous voyez qu'il y a plein de trucs, il y a des trucs sous l'eau.
Il y a des trucs. Ah oui, ça c'est assez sympa. Un petit pu de navet dans la jungle. Vous allez voir qu'on peut viser avec, avec le Wii U Gamepad aussi. D'autres trucs à faire encore. Donc allons, il faut que j'esquive les plantes carnivores. Ouh, celle-là c'était un peu juste. Mais on y arrive quand même. Il y a des fois des armes là-dedans. Voilà, regardez, je peux viser. Donc je peux tirer par exemple sur une plante carnivore, ce serait pas mal. Celle-là par exemple, la grosse là. Voilà. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi, vous voyez quand on vise comment ça fait. Voilà, comme ça je fais bien le ménage. Voilà, c'est propre hein. Et ben voilà, on peut y aller. Parfait, ben j'ai plus qu'à aller récupérer ma petite étoile et tout sera parfait. Voilà, donc encore une bonne utilisation du Wii U Gamepad. Je trouvais que vraiment il ne l'utilisait pas beaucoup. Ça fait du bien de le retrouver. Ça fait une des originalités de cette console quand même, et c'est dommage parce que je le trouve largement sous-exploité. Voilà, il y a une bête là-dessous. Je vais lui jeter un navet pour la stopper. Bon, elle a arrêté à la main, ça ira tout aussi bien. Un petit diamant, voilà. Comme ça, j'aurai récupéré, je pense, les 3 diamants. On retourne de l'autre côté. Et maintenant, comment grimper là-haut? Ah, il faudrait que je démolisse ce bloc, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Oh là là. J'ai plus ma tête. Alors, allons-y, regardez, je vise. Je vise le bloc. Un peu plus haut. Voilà. Et maintenant, normalement, j'ai accès à l'étoile, c'est parti. Et ben voilà le travail. Donc au début, scénario basique, hein, Toad avec sa petite copine Toadette, ils font la fête, et elle se fait enlever bêtement, comme toutes les filles chez Nintendo, par une espèce de saleté d'aigle. Alors ce qui est bien, c'est que au moins, ça change un peu, dans le deuxième épisode, c'est Toad qui se fait enlever. On inverse les rôles. Et vous gérez Toadette qui, elle, va aller sauver Toad. Heureusement, c'est pour l'égalité entre tout le monde. Oh, c'est pas ce que je voulais, pardon. Il y avait un petit truc avec un petit train, c'est ça que je voulais vous faire voir. Mais après, tous les niveaux sont intéressants, alors c'est assez délicat d'en choisir un. Ah, j'aime bien tous les niveaux dans le manoir hanté. Donc évidemment, ça fait référence à tous les niveaux qu'on connaît dans les Mario. Là, c'est plus le manoir de Luigi, en quelque sorte, avec des portes qui sont presque plus des téléporteurs. Regardez, je monte dans cette porte et j'atterris au-dessus, bim, sur le champi. Comme ça, on est débarrassé d'entrée. Et ce que je peux faire, c'est bouger les portes en tapotant, hop, sur le Wii U Gamepad. Tac, ce qui fait que quand je vais rentrer là, je vais ressortir dans la porte d'à côté. C'est parfait. Allez, je la rebouge, comme ça je peux faire le tour sur le côté. Ah, on me faisait miroiter un diamant, mais le sol s'effondre sous mes pieds. Alors, si je rentre dans cette porte, je ressors au-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la décaler un petit peu, celle-là. Celle-là aussi. Et du coup, je dois pouvoir décaler la deuxième. Ce qui fait que je vais me retrouver sur le toit de la première. Est-ce que je peux descendre celui-là? Non, mais je peux partir sur la gauche. Oh, des fantômes! Donc regardez, je vais les éclairer avec ma petite lampounette jusqu'à ce qu'ils explosent. Je vais zoomer un peu, on verra un peu mieux. Voilà, comme ça j'en suis bien débarrassé. Donc là, si je rentre dans cette porte, je tombe sur l'autre porte. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre juste au-dessus de ces cons de champignons pour leur tomber sur la tête et récupérer un petit diamant au passage. Parfait. Et bah, dernier truc à faire, on sait pas où c'est, mais... J'arrive de ce côté-là, ok, très bien. Je récupère un petit bonus, ça peut pas faire de mal. Je vais décaler le truc du dessus. Ouais, c'est ça qu'il fallait faire, donc je redescends. Et je vais réapparaître à la même porte, mais cette fois décalé. Et regardez, il y a un passage là. Je dirais une petite maison de poupée, je trouve ça mignon comme tout. Vraiment très très chouette, on a vraiment la sensation de 3D. On voit vraiment les choses en volume, et c'est super agréable. Et bah voilà, oh là là, il y a des gros fantômes, je me discute pas, je me précipite sur la... sur l'étoile. Voilà. Parfait. Enfin,
parfait. Non, j'aurais pu faire mieux. 4 mouvements de bloc seulement. Oui, il y a des petits challenges en plus. Ah voilà, c'était ça le train que je voulais vous faire voir. Il y a des niveaux qui sont en mouvement. Par exemple, sur le toit d'un train. Et on va passer à l'intérieur du train, à l'extérieur. Pour essayer de récupérer à chaque fois notre étoile. Regardez, elle est juste là. C'est énervant, hein, elle est juste en dessous. Mais on va être obligé de remonter tout le train pour réussir à la choper. C'est un peu le transpersonnage pour ceux qui connaissent la BD et le film. Donc voilà, un navet. Deux navets, voilà. J'aurais mieux fait de le garder pour lui, mais bon. J'avais pas été très malin sur ce coup-là. Regardez, je me faufile quand même discrètement, presque en mode infiltration. Pas du navet là-dedans, je me défends un petit peu. Parce que cet oiseau va me pourrir la vie, je le sens. Voilà, j'arrive au niveau de la locomotive. Donc ça, c'est un petit train, mais plus vous avancez dans le jeu, vous allez voir des trains avec beaucoup plus de wagons par endroit. Et beaucoup plus de trucs à faire, là. C'est juste le tour. Hop, dès que je rentre à l'intérieur, regardez comme c'est bien foutu. On y voit plus clair tout de suite, on nous enlève les portions de décor qui pourraient cacher, qui pourraient nous bloquer l'angle de vue. Ça, c'est bien. Mais il faut quand même toujours essayer de... Oh là là, vite. Oh, il m'a pas vu, bah c'est un miracle. Pousse-toi, voilà. Il faut toujours essayer de tourner la caméra de façon à y voir plus clair. Par exemple là. Là, c'est une bêtise. Hop. Voilà. Pourquoi je peux pas passer? Peut-être faire le tour par là. Oui, j'ai pas besoin d'y aller vraiment en fait. Regardez ça, on se croirait dans un niveau de Tetris, donc je vais les bouger. Est-ce que ça va disparaître quand j'en bouge plusieurs? Je ne sais pas. Est-ce que je peux bouger celui-là? Ah, maintenant, on va pouvoir le bouger. Où suis-je? Je suis empêtré dans tous ces trucs. Il faut que tu sois plus concentré. Voilà. Voilà. Je bouge celui-là. Et ça y est. On n'est plus qu'à aller récupérer l'étoile, normalement. Et non, j'en viens, mais quel boulet! À force de tourner en rond... où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais, je me disais, j'ai fait le tour, c'est pas normal. Ah bah ça y est, voilà que je suis coincé, les petits amis. Pourtant pas compliqué. Ah si, je vais faire ça, ça. Et voilà. J'ai eu peur, à un moment je vais pas y arriver. Oh là là, il y a trop de monde là-dedans. Il y a des contrôleurs dans le wagon. J'ai intérêt à me planquer. Oh non, quel boulet! Eh oui, j'ai voulu avancer un peu trop vite. Bon, c'est pas grave, on était presque arrivé à l'étoile. On va aller faire un autre niveau. Je vais pas me refaire tout ça. Mais vous avez compris le principe. Et je le trouve très très bien, ce principe. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Voilà, là, on va sauver Toadette. Non, on va peut-être pas faire le boss de fin de niveau. Je vais revenir au tout début. On va faire le deuxième épisode, donc, qui est l'épisode où Toadette entre en jeu. Et vous allez voir qu'elle se laisse pas faire, la petite Toadette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je voulais faire des petits... Voilà, des petits trains du Far West. C'est ça que je voulais vous faire voir. Regardez bien, là, je vais être à bord du train et je vais viser pour essayer de dégommer. Donc, j'ai un wagonnet rempli de navets. Et je vais essayer de dégommer tout sur mon passage. Regardez bien, je me mets près de vous, comme ça, vous verrez comment ça se passe. Hop! C'est comme si le jeu était vraiment tout autour de moi. Si vous le voyez très bien, parce que comme il faut que je bouge en même temps, c'est pas évident. Regardez ça, quand on regarde sur le Wii U Gamepad, on a vraiment l'impression d'être dedans. Et voilà. On est dans le petit train de la mine à Disneyland, tiens. Voilà, on peut tirer sur les trucs pour les récupérer. J'ai raté, hop! Voilà, j'ai dégommé tout. Oh, plein d'argent, je tire sur l'argent pour le récupérer. Là, le mur avec peau, parfait. On est presque arrivé. Ça s'accélère sur la fin.
Et voilà le travail. Pas mal. Eh ben voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à Toad Treasure Tracker, les petits amis. Moi, j'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça très sympa. Astucieux, malin, joli, vraiment, voilà. Un bon jeu pour votre Wii U, à partager même entre amis, parce que c'est un vrai casse-tête, donc parfois, c'est bien d'avoir le regard de quelqu'un d'autre qui vous dit « Ah, mais essaye à droite, à gauche, etc. » faut essayer de coopérer pour avancer. Voilà. Merci Toad, merci de venir jouer avec moi, merci mon petit champi, merci à vous les petits amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.